presque en fin de journée sur le plateau de Immédiat Politique, en direct sur la page Facebook de Fabrice Bonneau, relayé par tous les partenaires et tous ceux qui aujourd'hui nous ont accompagnés. C'était une très belle journée. Et justement, je suis content d'accueillir Isabelle Bretin. Bonjour. Bonsoir Isabelle, merci d'être là. Vous dirigez la société Comme Tout, qui est une société de communication. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes partenaire de cette opération. C'est quoi votre métier? Alors, Comme Tout Solutions, c'est une agence de communication globale. Donc, globalement, on fait tout ce qui est création graphique, impression, tout support, toute la partie digitale, site internet, application mobile. On fait de l'événementiel avec une particularité, c'est qu'on est les seuls ici à Lyon et dans la région, donc on peut le crier haut et fort. On a un bus événementiel et on fait également tout ce qui est relations publiques, institutionnelles, presse, voilà. Et c'est d'ailleurs sur ce mécénat de compétences, on va dire, que Fabrice Bonneau vous a sollicité, puisque vous vous occupez de la communication, des relations publiques, des relations presse de cet événement, c'est ça? Absolument. Donc, initialement, c'est parti sur les relations presse et relations institutionnelles. Et puis, effectivement, ça s'est élargi un peu plus, puisqu'aujourd'hui, on a fait certaines créations graphiques et tout ce qui est impression, tous les supports, toute la PLB. Il faut dire que vous connaissez bien Fabrice, ça fait au moins 6 ans que vous Oui, c'est notre 6e tandem, c'est notre 6e partenariat. On se connaît depuis très longtemps, on travaille ensemble sur Soupe en scène, on travaille ensemble sur On bouge pour eux. Et puis là récemment, on a fait un carton avec le kiosque des chefs solidaires. Le kiosque des chefs solidaires, absolument. On vous a vu tous les jours sur la place, près du kiosque, à accueillir les personnalités, les élus, les partenaires, puisque... Les chefs, évidemment. Et les clients. Et les clients de cette très belle opération. Et évidemment, donc, quand Fabrice vous a dit « on fait quelque chose pour les étudiants », vous n'avez pas hésité une seconde. Oui, c'est complètement naturel de dire oui. On a l'habitude de travailler ensemble, on partage les mêmes valeurs, on a les mêmes engagements. Et puis oui, les étudiants, moi j'ai une fille étudiante, donc forcément ça nous touche d'autant plus. Et voilà, on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas les laisser dans cette précarité, il fallait agir. Il fallait agir. Et donc il y a beaucoup d'initiatives en ce moment, mais celle-là est magnifique, dans cette salle assez incroyable, la salle de la Corbeille ici à la CCI. Alors on l'a vu, il y a presque 1500 sacs qui ont été remplis par les bénévoles toute la journée depuis 8h ce matin. Oui. Ça fait chaud au cœur. On ne sait pas d'ailleurs comment ça va se passer demain, ça risque d'être assez impressionnant puisque toute la journée ça va être la distribution. Alors ouais, c'est vraiment très émouvant de voir ça parce qu'effectivement derrière nous on a plus de 1000 paniers solidaires, extrêmement bien garnis, il faut le savoir. Et effectivement on attend beaucoup d'étudiants. Donc l'étudiant, je rappelle juste le principe, ils se sont inscrits sur une plateforme et pour 1 euro ils vont bénéficier d'un panier solidaire et d'un panier repas. Alors, Ensemble, unis pour nos étudiants, à chaque fois avec un -.fr, c'est le site sur lequel on peut avoir les détails. Les étudiants se sont inscrits, mais ceux qui se pointeront demain avec leur carte d'étudiant, ils peuvent encore nous rejoindre. Il y a encore quelques paniers solidaires de disponibles. Oui, il n'est absolument pas trop tard. Il reste encore quelques paniers et repas de disponibles. Donc, soit effectivement, les étudiants ont la possibilité de s'inscrire encore sur la plateforme, soit ils le font en direct demain. Ils viennent directement nous voir à notre rencontre. On les inscrira en ligne directement sur place et ils bénéficieront de la manifestation, de l'offre. On risque d'avoir à la fois beaucoup d'étudiants, puis aussi beaucoup de personnalités, d'élus, de la ville, de la métropole. On avait tout à l'heure le président de la Chambre, un député, enfin toutes les personnalités qui veulent participer, venir raconter pourquoi ils soutiennent cette opération, bien évidemment, sont les bienvenus sur notre plateau. Demain, ça commence à quelle heure? Alors demain, on va ouvrir les portes à 9h jusqu'à 17h, 17h30. Et effectivement, toutes les personnes, les belles personnes avec du bien-pensant sont invitées à nous rejoindre, à participer. Il n'y a aucun problème là-dessus, on saura les accueillir. Bon, ça marche. Mais on était content de vous recevoir ce soir. Isabelle Bretin, merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci à Comme Tout Solutions d'être partenaire de cette belle opération. Et je vous dis à très vite avec un nouvel invité, sans doute avec Fabrice Bonneau pour clore ensemble cette soirée et vous donner officiellement rendez-vous à demain. Merci.